Bonjour et bienvenue à votre émission de ce 13 février. Au cours des derniers mois, plusieurs régimes sont tombés en Afrique. Du Tchad au Burkina, en passant par la Guinée et le Mali, les militaires ont pris le pouvoir par la force des armes. Ces remises en cause des régimes parfois élus démocratiquement soulèvent bien sûr des questions aux quatre coins d'Afrique. Pourquoi la résurgence des coups d'État en Afrique? Pourquoi la CEDEAO et l'Union africaine sont-elles boudées sur le continent? Voilà quelques-unes des questions que nous aborderons avec notre invité, M. Yemi Dessouza, économiste monétariste, partisan du militarisme, de la démocratie directe consensuelle, participative avec exécutif collégial. Bonsoir, M. Dessouza, et merci d'honorer de votre présence notre émission. Votre micro est fermé, M. Dessouza. Merci, bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup et bonsoir aussi à tous nos internautes qui sont déjà connectés. Ils peuvent, comme le principe de l'émission, participer en laissant leurs commentaires, questions dans le fil de discussion de cette vidéo live. Monsieur de Souza, commençons cette émission. Est-ce que ces coups d'État qu'on a connus ces derniers mois étaient prévisibles selon vous? Merci pour la question. Oui, il faut dire que ces coups d'État étaient prévisibles. Prenons le cas de la Guinée. En Guinée, il y a un monsieur, Alpha Condé, qui a décidé de faire un troisième mandat. Pour cela, il a utilisé l'armée, abondamment l'armée, pour violenter le peuple, afin qu'il puisse faire son troisième mandat. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui, depuis 8 ans, plaident pour que les populations africaines comprennent une chose, c'est que quand on n'est pas d'accord avec le dirigeant qui est corrompu, il ne faut pas aller dans les rues jeter des pierres à ses concitoyens soldats. Il faut plutôt aller dans les rues appeler ses concitoyens soldats au secours. Parce que moi, j'ai appris hein, que quand on est en danger, on appelle au secours. Et donc, j'avais plaidé dans les forums des Guinéens, j'avais beaucoup plaidé pour que les Guinéens comprennent qu'ils doivent se tourner vers l'armée. Et puis, il y a certains Guinéens qui ont commencé à comprendre que voilà, il faut qu'ils appellent leurs frères concitoyens à l'aide. Et ça a été fait très discrètement. Et voilà, finalement, l'armée est venue. Et depuis que les soldats sont arrivés, il y a une certaine forme de stabilité politique et non-violence en Guinée. Donc, c'était imprévisible vu l'attitude du président Condé. Si nous prenons par exemple le cas du Burkina Faso, qu'en dites-vous par rapport, parce que le président, lui, n'a pas demandé un troisième mandat par rapport au cas que vous venez de citer, le cas de la Guinée. Il n'a pas demandé un troisième mandat. Il a été démocratiquement élu pour le second mandat. Est-ce que c'était opportun ce coup d'État? OK, là aussi c'était prévisible parce que le chef de l'État, il est le chef des armées. Comment se fait-il que lui, les terroristes attaquent le pays, mais lui n'est pas attaqué? Lui seul, il dispose d'une armée qui le protège si bien, et voilà que l'ensemble de la population, c'est-à-dire le vrai souverain, le peuple, lui se fait martyriser. Il y a encore pire, les soldats qui sont censés protéger la nation sont dépouillés. On prive les soldats des moyens du travail. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Là aussi, moi, je fais partie de ceux qui, sur les forums de Burkinabé, ont dit que si le chef de l'État est en sécurité, que le peuple est en danger, alors il faut qu'on le dépose. J'ai plaidé, moi, j'assume. J'ai plaidé qu'il soit déposé. Et il a été déposé. C'était prévisible aussi parce que c'est lui le chef suprême des armées. Et comme ça ne le voit pas, mais apparemment, il est impuissant. Il a été déposé. Maintenant, on verra la suite. En parlant du cas de la Guinée, vous avez dit, vous avez conseillé aux Guinéens de ne pas jeter la pierre aux militaires. Or, on se rappelle que dans la foulée du troisième mandat, il y a eu des morts et ces morts ont été causées par les militaires. Où est-ce qu'il faut trouver le juste milieu de prendre les militaires comme des amis alors que dans le même temps, ils sont en première ligne dans la répression des manifestants? Il y a une chose que nous ne comprenons pas souvent, c'est que les soldats, ils ont une mission. Leur travail, c'est d'obéir au souverain. Ça fait que le souverain dans nos pays, c'est le président. Donc, quand le président donne des ordres, il faut que les soldats obéissent. Moi, je suis pour que les soldats obéissent.
Mais au même moment, il faudrait que le peuple lui-même comprenne que c'est au fait celui qui est le vrai souverain et que le chef de l'État, il n'est qu'une sorte de mandataire. On l'a mandaté, quoi. On l'a mandaté, pas mandataire, mais on l'a mandaté à assumer un rôle de souverain. C'est tout. Maintenant, si le chef de l'État donne des ordres aux militaires de venir frapper la population, il faudrait que le peuple donne des contre-ordres en réaffirmant hein, que leur volonté de puissance, que au fait, le souverain, c'est eux. Et c'est ça qui n'avait pas marché. C'est ce qui fait que quand Condé a voulu aller, il voulait organiser son troisième mandat, au lieu que les populations disent non, 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 nous missionnons l'armée à le faire arrêter parce que là, il est en train d'hypothéquer l'avenir du pays. Ça n'a pas été fait, mais je pense qu'aujourd'hui, les peuples commencent à comprendre. Vous savez, dans mon effort de faire de la pédagogie, d'expliquer la nécessité des peuples à ne pas aller en confrontation avec nos concitoyens soldats, j'avais donné l'exemple du Zimbabwe. Au Zimbabwe, c'est fait que le président Robert Mugabe, qui est très puissant, il est très populaire. Ça, il faut pas dire le contraire. Les militants ont voulu le faire sortir. Alors, qu'est-ce que les militaires, ils ont fait? Quand même, ils avaient des armes, des chars, quand ils ont encerclé la maison du président Robert Mugabe, et ils ont commencé, les militants sont partis sur les radios, commencé par demander à la population de sortir les soutenir. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ceux qui avaient les armes, ils demandent de l'aide au peuple. Donc, il faut comprendre que pour que ça marche, il faut forcément que le vrai souverain, le peuple lui-même, puisse prendre l'initiative de la chose et comprendre que ses concitoyens, ses fils, ses fils, ce sont nos parents, nos frères soldats. Et ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes de nous martyriser, de nous surmonter. Ils reçoivent des ordres et puis ils obéissent. Donc, donnons-leur des ordres pour que celui qui donne des mauvais ordres soit écarté, qu'on n'ait plus appel à la stabilité dans le pays. Restons un peu sur le cas du Burkina. Est-ce que la solution n'était pas, ne pouvait pas être aussi politique? Pourquoi la solution militaire était, en tout cas, l'option militaire qui a été choisie, en fin de compte, si on peut s'exprimer comme ça? Oui, OK. Là aussi, il faut qu'on explique les choses. L'armée fait de la politique. On dit qu'il n'y a pas de pouvoir politique réellement parlant sans le pouvoir sécuritaire. L'armée fait de la politique. La preuve, c'est quoi? La politique française en Afrique, c'est quoi? C'est l'armée. J'ai vu une vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui a été reçue le jeudi passé qui circule et où il disait que, il est contre la France-Afrique et que, le pur militarisme, ce n'est pas une bonne chose. Oui, c'est vrai. Donc, la politique, les militaires font de la politique. Quand les dirigeants donnent des ordres aux militaires et ces derniers exécutent, voilà. La solution, elle est politique. L'armée fait de la politique. L'armée a joué son rôle. Maintenant, on va pas s'arrêter là. Il faut aller au-delà. C'est là où on peut peut-être aborder d'autres sujets si on a le temps. La question du système politique à mettre en place pour éviter les crises, la question du modèle économique à mettre en place pour éviter des crises. Là, on peut l'aborder plus tard. Donc, si on met ces coups d'État, on en a peut-être trois ou quatre ces derniers mois, on les met ensemble. Quelles sont les causes profondes qu'on peut identifier? S'il y a des causes profondes qui ont conduit les militaires, on sait qu'on a connu quand même 2 à 3 décennies de stabilité en Afrique avant que les militaires ne reviennent à l'avant-scène. Quelles sont les causes profondes que vous identifiez? Okay. Ces stabilités sont des stabilités apparentes. Parce que si vous retournez en Afrique, vous allez remarquer que ceux qui ont dirigé l'Afrique, pendant cette période de 3 décennies dont vous parlez, ils ont utilisé les armées pour se maintenir. C'est tout. Il n'y a eu que des armées qui ont fait le job. C'est-à-dire qu'on n'a pas apporté des solutions politiques aux besoins des Africains. On a plutôt apporté des solutions sécuritaires. Prenons le cas du Togo, par exemple. Toujours, c'est avec l'armée on règle les problèmes politiques. Prenons le cas du Bénin tout récemment. Quand Tanon a voulu faire un passage en force, il a utilisé quoi? Les militaires. Il a utilisé les soldats. Pas les militaires, mais les soldats. Il les a utilisés pour réprimer les manifestants. Il n'a pas engagé des dialogues politiques. Il n'a pas fait de propositions politiques. Il a modifié la constitution du Mafemba. Enfin, pas modifié, mais il a créé une loi électorale lui permettant d'aller pratiquement seul aux élections. Ouais. Donc, bref. Ces stabilités apparentes, hein, ce sont des stabilités apparentes qui, à mon avis, ce n'est pas bien. Il faut qu'on dépasse ça. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je ne continue pas à plaider en demandant au peuple africain, faisons la libération,
faisons la libération avec nos concitoyens soldats et disons seulement, il suffit de dire, c'est la parole, hein, la parole agissante, il suffit de dire, de marteler, de continuer par le répéter à nos concitoyens soldats que nous vous missionnons, c'est de déposer les chefs d'État, d'assumer la continuité de l'État, de convoquer les communautés, on va s'asseoir pour un nouveau départ démocratique. Vous avez parlé de l'appel du peuple aux militaires, peut-être pour déposer les chefs d'État qui sont en train, qui torturent d'une certaine manière les populations. Mais qui doit faire cet appel? Est-ce que c'est les partis politiques ou la société civile? Vous savez, la notion de parti politique, moi, je ne suis pas tellement fan de parti politique, mais chacun joue son rôle. Les partis politiques sont appelés en fait de la politique pure, pas pour appeler les militaires, mais le citoyen lambda, celui qui est en danger, c'est à lui d'appeler au secours. Moi, je dis toujours aux jeunes civils, si vous pensez que votre situation est terrible, alors tournez-vous vers vos frères, vos concitoyens soldats, hein, les gens avec qui vous avez fréquenté, vous avez partagé, d'ailleurs, vous partagez encore le quotidien. Et quand souvent je parle de soldats, moi, je ne m'adresse pas forcément au commandement militaire, hein. Moi, je parle des soldats du rang, ce sont les gens du terroir. Ils sont parmi nous, ils vivent avec nous. Donc, nous devons nous adresser à eux en leur expliquant. Parce que moi, j'ai constaté une chose. Quand je fais le tour des plateformes panafricaines, il y a des plateformes sur lesquelles il y a des jeunes qui interviennent, je constate qu'il y a une volonté de puissance chez eux. Mais ils ne sont pas armés. Vous comprenez que si leurs frères qui sont dans les armées et parviennent à avoir les mêmes informations que ces jeunes qui ne sont pas dans l'armée, grâce aux réseaux sociaux, ils ont, la psychologie du soldat aura pour conséquence que soit les soldats, nos concitoyens soldats vont désobéir aux ordres donnés par nos dirigeants. Et s'ils désobéissent, ça voudrait dire que le peuple peut lui-même aller chercher le pouvoir. Mais je crains qu'il y ait du chaos. C'est la raison pour laquelle moi, je veux que les choses soient faites de façon organisée, planifiée, et que d'un côté, tous ceux qui pensent qu'ils sont victimes d'un système néocolonial et d'un système de servitude, ils n'ont qu'à se lever et puis ils n'ont qu'à appeler leurs frères, leurs concitoyens soldats à déposer les dirigeants pour le départ démocratique. Mais on va dire aussi que les coups d'État ne sont pas nouveaux sur le continent. On voit les militaires qui arrivent avec alibi ou même motif de corriger une situation ponctuelle, mais qui s'éternise au pouvoir. Où est-ce qu'il faut mettre, un point, une barrière pour que les nouveaux militaires, ceux qui sont en train de prendre le pouvoir actuellement, ne deviennent pas d'autres potentats à la tête de nos pays africains? Ça, c'est une question qui me fait vraiment, ça me fait plaisir que vous avez posé cette question, parce que tout est là-bas. Vous savez, nul n'est maître de sa propre sécurité. Nul. Nul n'est maître de sa propre sécurité. Il n'y a peut-être que Dieu qui est omniscient. Et donc, si un dirigeant mûr ou bien un militaire mûr, après réflexion mûre, dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir, il se fera renverser dans la boue de sang. Le fait qu'on va appeler aujourd'hui les militaires à déposer les dirigeants aujourd'hui corrompus, ne serait pas la dernière fois qu'on va appeler les militaires à déposer le dirigeant corrompu. Peu importe si le dirigeant il est militaire ou pas. Moi, je me rappelle qu'au niveau du Nigeria, des militaires ont écarté des militaires à la tête du pays. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Pareil au niveau du Burkina. Donc, moi, je n'ai pas peur. Et vous savez, partout où les militaires ont pris le pouvoir, moi, je suis partant. Je suis partant qu'on leur laisse 3 à 5 ans, maximum 5 ans, pour changer les choses. Et si ils n'apportent pas les réformes politiques, hein, économiques, parce qu'il faut les deux, hein, les réformes politiques et économiques. S'ils n'apportent pas ces deux réformes, surtout les réformes économiques, je suis favorable à ce qu'on reprenne l'expérience, quoi, qu'on demande à d'autres, qu'on commissionne d'autres militaires à les déposer. Et ce serait fait pour la simple raison que ces militaires qui sont aujourd'hui à la tête de nos États ne sont pas non plus maîtres de leur propre sécurité, d'autres peuvent les déposer. Mais encore une fois, pour le moment, je suis favorable qu'on leur donne 3 à 5 ans pour mettre en place un certain nombre de structures politiques et économiques pour effectivement libérer l'Afrique, tant politiquement qu'économiquement. Donc, vous avez abordé là rapidement la question, si on prend le cas du Mali, la question de la durée de la transition qui fait au fait débat entre 18 mois, 3 ans ou 5 ans. Si je comprends bien votre développement, c'est que vous optez pour une durée d'environ 3 à 5 ans, c'est ça? Ah oui, vous savez, il n'y a pas de logique philosophique, anthropologique, sociologique qui détermine la durée d'une transition. Il n'y en a pas.
Maintenant, je constate aussi que les gens sont élus président pour 5 ans, et puis après 5 ans, ils font l'autre. 5 ans, et puis après, ils veulent encore faire. Ils estiment qu'ils n'ont pas fini leur mission. Okay. Prenons le cas du Mali. Et pourquoi tout ce qu'on est en train de faire à ce gouvernement, ça me révolte. Ça me révolte parce que, mais, on leur dit organiser les élections. Mais ils peuvent organiser les élections. Il y a des gens valables dans le gouvernement de transition. Ils peuvent organiser les élections, mon papa. Si les Françafricains organisent les élections, ils ne perdent pas. Comment est-ce que le gouvernement du Mali va organiser les élections? On peut organiser les élections, le premier ministre peut être président, peut-être candidat, il va gagner au la main. Le ministre des Affaires étrangères peut être candidat, ça dit, si on parle de civils, mais parlons des militaires. Et le ministre de la Défense, il peut être candidat, il va gagner au la main. C'est-à-dire que j'exclus le fait que le président actuel, Assimi Goïta, ne se présente pas. Donc, ils peuvent organiser, mais ce sont des gens de bonne foi. Ce n'est pas une affaire d'élection, c'est une affaire de refondation. Donc, il faut leur laisser la possibilité de refonder. Et puis, qui est cette histoire de communauté internationale? Où est-ce qu'elle était, communauté internationale? Prenons le cas de la Guinée, elle était où? Quand Condé massacrait, elle était où? La CEDEAO était où? Hein? Et j'en sais rien. Au Mali, les gens disaient, mais il y a l'insécurité. Où est-ce que la communauté internationale était? Où est-ce que la CEDEAO était? Donc, moi, je veux qu'il y ait des sérieux. Moi, je soutiens le gouvernement malien, comme je l'ai dit, 3 à 5 ans, voilà, ils ont le temps de pouvoir faire des choses autrement. Il faut une refondation, je les soutiens. En tout cas, pour ce qui me concerne, si j'étais à leur place, il y a même des commentaires, je ne ferai plus. C'est les chiens en bois, la caravane passe, c'est tout. Je ne ferai plus. Ceux qui vont critiquer la durée de la transition, je m'en fous. Vous savez, aussi longtemps qu'ils auront le soutien populaire et l'armée, rien ne se fera contre eux. Si on prend, on va peut-être prendre un cas, on a parlé rapidement du Togo aussi. Pourquoi dans certains pays, les populations ont du mal vraiment à s'organiser face à des régimes vraiment connus comme des régimes dictatoriaux sur le continent? Si nous prenons le cas du Togo, vous savez, au Togo, il s'est fait que l'armée a été structurée d'une manière telle que il y a une communauté qui domine le sein de l'armée, c'est la communauté Kabyé, c'est pas fini. Maintenant, même au sein de cette communauté Kabyé, c'est structuré de telle sorte que les Kabyé venant du village du président sont les plus dominants. Est-ce que vous voyez? Et c'est eux qui détiennent les unités d'opération, les unités opérationnelles. Maintenant, il y a aussi le fait que on a bloqué l'information d'aller vers ces gens-là. C'est-à-dire que les gens, comme je le dis, les gens ne sont pas informés. C'est-à-dire, je suis en train de réduire l'échelle. Hein. Je suis en train de réduire l'échelle. À l'échelle des Kabyé, par exemple, au Togo, ils ne sont pas informés de la nécessité, ne serait-ce que faire tomber la famille assimilée et s'assumer eux-mêmes en tant que Kabyé vis-à-vis des autres communautés. Ils ne sont pas informés. Mais si j'élargis l'échelle, sur l'échelle du Togo même, les Togolais ne sont pas informés de la nécessité de parler à leurs frères, puisque les militaires qui assurent la sécurité des chefs de l'État, c'est nos propres frères. C'est des Africains, ce ne sont pas des étrangers. Les populations n'arrivent pas à s'adresser à ces soldats-là. Il y a la peur quand même. Il faut le dire. C'est aussi la raison pour laquelle moi je dis que pour libérer effectivement l'Afrique avec l'Alliance Arabe, c'est à la diaspora de mener cette campagne. C'est à la diaspora de mener ça. Parce qu'au moins, nous ne sommes pas à la portée de main. Je ne dis pas que nous sommes totalement protégés, mais nous ne sommes pas à la portée de main. Et vu que ce n'est pas un grand nombre de gens qui soutiennent le régime, sommes, en tout cas, sommes moins vulnérables. Donc, à la diaspora de prendre l'initiative de mener cette campagne de l'Alliance armée pour la libération de nos pays. Donc, au Togo, c'est tout le problème tourne autour du fait que les gens n'arrivent pas à concevoir l'idée qu'il faut soutenir et appeler les militaires à écarter le régime. Pour le moment, c'est ça. Mais ça va venir. Comme c'est arrivé en Guinée aussi, quand je parlais aux Guinéens, ils me disaient, mais l'armée, c'est les malinqués contrôlent l'armée, ça rien ne se fera. Je dis, non, c'est pas vrai. Et puis voilà, un malinqué qui fait partie d'un autre malinqué. Est-ce que vous comprenez? Ça va venir. Ça va venir. Donc, vous avez dit que les populations peut-être ne sont pas informées. Est-ce qu'on ne peut pas voir la question sous un autre angle? Par exemple, si on regarde un peu la situation du Bénin depuis 2016, où on a relégué un peu la démocratie en arrière, et puis on parle beaucoup plus de développement. Donc, la démocratie est devenue un effet secondaire, un fait secondaire par rapport aux questions de développement.
Et si on voit le Togo, est-ce qu'on ne peut pas dire que la population est plus préoccupée par son quotidien que par les questions politiques? Ouais, vous savez, on a toujours réussi à manipuler, à mentir aux gens, à mentir au peuple. On parle du développement. C'est quoi le développement? Il n'y a pas de développement sans le peuple. Et donc, s'il n'y a pas le développement sans le peuple, ça voudrait dire que le peuple, c'est la démocratie. Hein, parce que moi, c'est ce que j'entends par démocratie. Ce n'est pas ce qui se fait en France. Le système politique en France n'est pas une démocratie. Vous pouvez aller vous consulter les travaux d'un certain monsieur Étienne Chouard. De certains monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat à l'élection présidentielle, qui dit que si jamais il est élu, il va abolir la 5e République, il va convoquer une constituante pour la 6e République et il y aura une refondation en France. Bref, c'est pour dire que ce qu'on nous fait miroiter, le développement, il n'y aura pas de développement sans le peuple, donc il n'y aura pas de développement sans la démocratie. Et la démocratie, je veux rappeler, ce n'est pas la volonté de la majorité. C'est quand le peuple décide, c'est quand il opine, c'est quand il fait des choix. D'où la nécessité de faire de sorte que le peuple puisse se prononcer sur les grandes décisions d'intérêt public. Ouais. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on a affamé le peuple à tel point que les gens, quand ils se réveillent le matin, ce qu'ils cherchent, c'est qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce que je peux manger. Et donc, ils sont préoccupés par ça et parfois, ils ne sont pas tellement préoccupés par enfin, la politique en quelque sorte. Et, en oubliant que c'est une décision politique qui crée les conditions sociales, les conditions économiques. Donc, c'est le travail que nous autres sommes appelés à faire, informer le peuple, apporter l'information, de telle sorte que le peuple puisse comprendre qu'au fond, il y a un point de départ. Le point de départ, c'est qu'il prenne le pouvoir. C'est quand il va prendre le pouvoir qu'il peut améliorer ses conditions de vie et que donc, le développement peut être au rendez-vous. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas pris le pouvoir, il n'y aura jamais le développement. Là, je m'en vais vous expliquer que, prenons la monnaie qu'une institution dans nos pays de l'espace CFA. C'est une monnaie qui est produite ailleurs. Alors, il y a un principe qui dit que celui qui a le monopole de la création monétaire peut s'approprier le travail, votre travail, sa contrepartie. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas avoir le développement. Quand vous ne contrôlez pas la monnaie qui accourt légale chez vous, vous ne contrôlez rien. Donc, encore une fois, il y a un travail qui doit être fait. C'est à nous autres d'amener la population à comprendre que oui, le développement, c'est essentiel. Mais il y a un point de départ que vous pouvez atteindre tout de suite et maintenant. Il suffit seulement d'être nombreux et de dire, de missionner vos propres fils, vos propres concitoyens soldats qui assurent la sécurité de ceux qui aujourd'hui nous gouvernent et qui vous créent la misère. Il le fait partir pour s'asseoir et puis les choses vont changer en étant record. Ça, c'est en étant record. Moi, je le dis et je peux prouver ça que si effectivement le dirigeant venait à tomber tout de suite, les choses vont changer pour les Africains en étant record. Tout compte fait, ces coups d'État créent une certaine instabilité. Or, on a besoin au fait de la stabilité pour pouvoir construire une Afrique de développement, une Afrique durable. Quel modèle de société vous pensez qu'on pourrait créer pour concilier un peu la volonté de développement et des populations avec la gestion de nos États? À propos du développement, j'avais souligné plutôt qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique et puis il y a l'aspect économique. L'aspect politique, je suis pour la démocratie directe, consensuelle, participative. Ce phénomène politique est appelé Abrapala. Aujourd'hui, quand je dis aux gens l'Abrapala, ils disent, mais écoutez, hein, on ne peut plus faire l'Abrapala parce que les gens pensent qu'on n'est plus au village. Mais au même moment, les mêmes personnes viendront vous dire plus tard que le monde, c'est un village planétaire. Parce que, ouais, nous sommes en train de faire une émission avec les moyens de technologie actuels. Nous sommes en train de changer. Donc, on peut créer la communauté des communautés pour permettre aux gens d'échanger et d'opiner sur beaucoup de sujets grâce aux moyens de technologie actuels. Est-ce que vous voyez, même si dans certains endroits de l'Afrique, il n'y a pas Internet, les gens peuvent décider et puis on peut consigner leurs décisions. On va envoyer, si ce n'est pas en région, on veut réorganiser les choses, on peut le faire. Je rappelle que au niveau de l'Empire mandingue, il y avait un système politique qu'on enseignait et que c'est ce système politique que les Suisses ont pris depuis 1854. Ça marche bien pour eux. Ah, le système politique suisse, c'est le système qui est le plus stable possible. Et en Suisse, il y a quatre ethnies. Je n'aime pas trop ce mot, mais je l'emploie pour que les gens puissent comprendre. Ce qu'on appelle ethnie, au fond, ce sont les nations premières. Donc en Suisse, il y a quatre nations premières qu'on appelle ethnies, mais on les appelle, voilà, ethnies. Et ces quatre groupes ethniques se sont répartis dans 26 États.
États souverains indépendants, hein, qu'on appelle canton, et ils constituent la Fédération helvétique. Et ils font quoi? Ils font de la démocratie, de la communauté des communautés. Et c'est le pays le plus stable. Le plus stable, le plus prospère aussi. Donc, si les Suisses ont pu singer, nous, les Africains, ben pourquoi pas nous-mêmes? Nous pouvons donc, c'est ce que moi je recommande, je dis aux Africains, aux jeunes Africains, allez prendre la Constitution suisse, vous faites la lecture de ça, comparez ça à la Constitution française actuelle, de la 7e République, vous verrez que ce n'est pas pareil. Et vous verrez aussi que ce qui est proposé au niveau des Suisses, ça reflète nos réalités. Et donc, nous pouvons reprendre ça. Dans nos pays, il y a des nations premières, plusieurs nations premières. Il y en a des pays qui ont jusqu'à 250. C'est un atout, ce n'est pas une faiblesse. Les gens veulent créer un État jacobin où le pouvoir est centralisé. Je suis contre. Je suis contre la centralisation du pouvoir. Je suis complètement contre. Parce que c'est contre-productif. Il faut plutôt faire de sorte que les communautés puissent respirer par elles-mêmes et que par le système politique de la communauté des communautés, on puisse mettre en place cette démocratie directe, consensuelle, participative, avec un parlement bicaméral, c'est-à-dire un parlement composé de deux chambres. Une chambre basse, composée des représentants des courants de pensée, les partis politiques, les associations auront leurs représentants, élus au suffrage universel d'une manière ou d'une autre. On peut définir ça, mais de façon proportionnelle à leur poids politique. Et puis la chambre haute sera composée des représentants des ethnies, si vous voulez, mais ce que j'appelle les nations premières, de façon paritaire. S'il y a 100 nations paritaires, on va faire de sorte que chacune des nations paritaires va envoyer, par exemple, deux représentants pour représenter la nation paritaire au niveau de la chambre basse. Les deux nations vont élire, par exemple, 7 personnes. Les 7 personnes, 2 des 7 personnes de l'exécutif collégial viendront des forces de défense et de sécurité pour occuper le poste qui leur revient, c'est-à-dire la défense et le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, avec ce système politique, on peut effectivement développer l'Afrique, on peut stabiliser plutôt l'Afrique et maintenant développer l'Afrique. Pour développer l'Afrique, il y a un principe qu'il faut adopter, ce qui a marché ailleurs. Moi, je m'appuie sur ce que j'ai vu et étudié au niveau de la Libye de Muammar Gaddafi et au niveau de la Chine. Au niveau de la Libye de Muammar Gaddafi, il y a un système monétaire, un système monétaire qui fait que la monnaie nationale libyenne est protégée. Ce n'est pas exposé aux spéculateurs. Et c'est une monnaie, ça c'est une technique, exemple, ce mot-là, c'est une monnaie inconvertible, c'est-à-dire que pour acheter et vendre cette monnaie, vous ne pouvez le faire que sur le marché libyen. Et aussi, cette monnaie déconnectée des taux d'échange en quelque sorte, de sorte que c'est l'État libyen qui décide de la valeur de sa monnaie par rapport aux autres monnaies. Donc, la monnaie nationale est protégée. Par conséquent, les revenus en devises du pays sont aussi protégés. Il y a aussi l'autre aspect, c'est le modèle économique. Quel modèle économique pour l'Afrique? J'ai écouté un document vieux de Fouad Boigner, dans lequel il expliquait que le budget de fonctionnement de nos États est réalisé à partir de nos revenus d'exportation. C'est une aberration. On ne fait pas le budget à partir des revenus d'exportation, de nos matières premières, nos mines, nos arrivées. Non, on ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. Donc, il faut remettre ça en cause. Et donc, il faut financer nos budgets par la création monétaire. La création monétaire va permettre de financer nos budgets à la hauteur de la disponibilité des travailleurs. Imaginez tous ces millions de jeunes Africains qui sont là, qui ne travaillent pas aujourd'hui et qui essaient même d'aller en Europe et qui vont mourir dans la Méditerranée. Comme on dit qu'on a des problèmes de financement et qu'il n'y a pas l'épargne, on crée la monnaie à partir de rien, hein, pour financer nos propres projets. Les projets de construction de routes, des ponts, des logements, et financement de l'éducation, de la santé. Vous comprenez que la réalisation de ces choses-là va donner de la valeur à la monnaie initialement créée à partir de rien. Voilà quelques idées que moi je propose, tant dans le domaine de politique que dans le domaine économique, la nécessité de financer le budget de fonctionnement de l'État par la création monétaire. Il y en a qui me rappellent que si on fait ça, il y aura l'inflation de type monétaire. Ce n'est pas vrai, parce qu'on peut maintenir les instruments de fiscalité pour réguler la masse monétaire dans l'économie afin justement d'éviter qu'il y ait trop de liquidité dans l'économie. Donc, si on prend juste le côté économique, le système économique, donc vous êtes un partisan du fait que l'Afrique ait finalement sa propre monnaie pour pouvoir avancer réellement sur le chemin du développement. Oui, je suis partisan de la MUA. La MUA, c'est le type de monnaie que propose le professeur Nicolas Gourou. Il dit la MUA, la monnaie des militaires africaines.
Je suis partisan de ça. Toutefois, je suis partisan de ça dans le cadre d'une fédération. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une monnaie qu'on va partager ensemble qui serait une monnaie commune. Je suis contre les monnaies communes. Les monnaies communes n'ont pas donné de résultats. C'est le cas du CFA, par exemple. Parce qu'une monnaie a besoin de souverain. Voilà. Si on a une monnaie commune et que ce n'est pas dans le cadre d'une fédération, la péréquation financière ne se fera pas. Je veux que vous reteniez ce mot, la péréquation financière. Si vous prenez la Constitution, si vous allez avoir ce mot dedans aussi. Donc, la péréquation financière ne se fera pas. Donc, moi, je suis pour qu'on ait une monnaie unique, mais dans le cadre d'une fédération, c'est-à-dire l'abrogation de nos frontières et que notre chef d'État devienne le gouverneur, tout simplement, si effectivement on veut maintenir le système du présidentialisme. C'est ce que je veux préciser. On peut créer sa monnaie, nous pouvons, et chaque pays peut d'ailleurs aussi créer sa monnaie. Mais si au cas où on ne va pas on fédère pas les pays, chaque pays peut créer sa propre monnaie et financer librement son développement. Ceux qui ne le font pas aujourd'hui, par exemple, prenons le cas de la Guinée, parce que les gens peut-être que vous allez poser cette question, mais je vais anticiper. Prenons le cas de la Guinée. Moi, ça fait des mois que je crie, même avant la chute de Condé, je crie en demandant ce que le taux directeur de la Banque centrale de Guinée soit réduit à zéro. Actuellement, le taux directeur, c'est à 11,5%. On ne peut pas avoir un taux directeur à 11,5%. C'est-à-dire que le taux auquel la banque centrale prête aux banques commerciales et que ces banques commerciales, eux, elles plutôt vont aller prêter aux agents commerciaux. Le taux est à 11,5%. Et ça voudrait dire que, au fait, les emprunteurs, hein, les agents commerciaux, hein, quand ils vont emprunter, ils ne vont pas emprunter moins de 20-25%. Comment peut-on emprunter à 25% et puis se développer quand la croissance n'atteint même pas 10%. Parfois même c'est 5%, ça n'atteint pas. On ne peut pas. Donc, il faut remettre en cause tous ces principes-là qui sont des principes dictés de l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas de logique qui sous-tend que la Banque centrale ait pu avoir un taux directeur à 11,5%. Et ce n'est pas seulement la Guinée. Le Nigeria, c'est pareil. Le Ghana, c'est 13,5%. C'est ce qui explique le fait que certains pays africains, ils ont leur monnaie, mais ils ne se développent pas. C'est voilà l'un des problèmes. Mais au cours des derniers mois aussi, on a parlé souvent d'une monnaie de la communauté, de la CEDEAO. On a évoqué le nom de ECO, mais c'est comme si on a un pas en avant, deux pas en arrière. Qu'est-ce qui bloque, en fait, selon vous, l'accouchement de cette monnaie? Vous savez, l'ECO, c'est une escroquerie. On veut distraire les Africains. Je vais vous expliquer un principe. Le franc CFA, c'est une monnaie du système de caisse d'émission. On appelle ça la zone CFA. Il y avait aussi la zone sterling, le même principe de caisse d'émission, où les pays africains, pour avoir leur monnaie, la monnaie qu'ils utilisent, qui a coulé gaz sur leur territoire, étaient obligés de travailler, d'exporter leurs produits d'abord, et le colonisateur utilisait leurs revenus en devises étrangères pour créer la monnaie locale pour eux. C'est ce qu'on a fait. Les Britanniques ont fait, les Français ont fait. En tout temps, les Britanniques, eux, ils ont abandonné le principe. Quand ils ont abandonné le principe, ce n'est pas qu'ils veulent libérer leurs anciennes colonies. Hein. Ils ont créé notre principe qu'on appelle la flexibilité monétaire. En disant aux anciennes colonies, vous avez maintenant votre propre monnaie. Si vous avez besoin des devises, j'ouvre la parenthèse, les devises, c'est la monnaie étrangère, mais je vais résumer les devises en trois monnaies, initialement trois monnaies, parce que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il avait été décidé que le dollar serait la monnaie du commerce international. Mais au même moment, il y avait deux puissances qui avaient des colonies. Hein. C'est quatre puissances. Il y avait aussi les Espagnols et puis les Portugais, mais ils étaient très faibles. Donc, on avait les Américains, donc au niveau de l'accord de Bretton Woods, autorisé les Français et les Britanniques à utiliser eux leur monnaie pour commercialiser avec leurs colonies. Donc, quand les Britanniques abandonnaient le principe de caisse d'émission, ils avaient proposé à leurs anciennes colonies, puisque le commerce se faisait plus avec les anciennes colonies hein, qu'avec le reste du monde. Ils avaient proposé à leurs anciennes colonies que si vous voulez avoir de la livre sterling pour pouvoir faire du commerce, amenez seulement votre monnaie nationale sur le marché des capitaux et vous allez pouvoir acheter de la livre sterling avec ça. Or, ce qui se cache derrière ça, c'est que c'est-à-dire que ce principe va de pair avec la libre circulation des capitaux. Du coup, n'importe qui dans les anciennes colonies peut faire sortir de l'argent, la monnaie nationale, et aller sur le marché des capitaux acheter de la livre sterling. Et du coup, les monnaies de ces anciennes colonies britanniques
de dégringoler tout le temps. C'était le cas avec le Naira, le Sidi. Vous voyez le Sidi aujourd'hui à telle montagne, puis demain ça va dégringoler. C'est instable, quoi. Et c'est-à-dire que c'est dû au fait qu'on spécule avec leur monnaie. Plus votre monnaie se retrouve sur le marché des capitaux, plus ça perd de la valeur. Est-ce que, ouais. Donc, bref, c'était ça. Dans ça, on avait mis les anciennes colonies britanniques. Aujourd'hui que la France est acculée avec cette histoire de France CFA, on veut nous rejouer ce qu'on a rejoué aux anciennes colonies britanniques. Tout d'abord, je doute fort que le Nigeria va l'accepter. Pourquoi? Parce que le Nigeria, le système en question, quand Buhari, lui, il est arrivé au pouvoir, il a abandonné ça. Il a abandonné. Il a imposé le contrôle de change. Aujourd'hui, au Nigeria, vous ne pouvez plus sortir libre avec l'argent. Jamais. Vous ne pouvez plus. Il a imposé le contrôle de change. Donc, je ne vois pas comment est-ce que le Nigeria peut accepter même le principe de l'écho que défend Kakonoubouko. Parce que Kakonoubouko, c'est l'homme par lequel on a fabriqué la conscience des Africains en leur disant on est un opposant contre le franc CFA. Alors qu'au fond, il est au service du colonisateur pour faire passer le système de la caisse de système de franc CFA, du système de caisse d'émission, du système de flexibilité monétaire, qui va donner le même résultat, c'est-à-dire l'appauvrissement et le pillage de nos revenus en devises étrangères. Donc, bref, je ne vois pas comment est-ce que le Nigeria peut l'accepter. Et puis, moi, personnellement, j'éduque les gens sur la question. C'est mon domaine, donc j'éduque les gens sur la question. On n'a pas besoin de la flexibilité monétaire. Nous exportons. Et aujourd'hui, officiellement, avec le principe du franc CFA, la France retient ses 40% de nos revenus en devises étrangères. C'est-à-dire que le pays vend du coton pour 100 dollars. La France retient 50 dollars. Il reste 50 dollars. Parmi les 50 dollars, là, il y a encore une bonne partie qu'on utilise pour permettre aux entreprises étrangères opérant chez nous de rapatrier leurs revenus, leurs bénéfices. Et après tout, finalement, quand on fait les calculs, il nous reste seulement 16 dollars. Après qu'on ait gagné 100 dollars, il nous reste seulement 16 dollars. C'est avec ça, nous importons, nous finançons nos besoins d'importation. Et on nous dit que nous avons un déficit de 3%. Mais admettons que les 3%, on les applique sur les 50 dollars qui nous restaient initialement. Donc, ça fait un 5. On nous a pris 50 au départ. Si on nous avait pris 50 au départ, si j'enlève un 5 de 50 qu'on nous a pris au départ, on a un excédent de 40-50 si on ne nous avait pas pris 50 au départ. Donc, si nous sortons du franc CFA complètement, nous allons avoir beaucoup d'argent en réserve. Beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si nous maintenons notre niveau de vie, on ne fait pas d'autres investissements, et on aura beaucoup, beaucoup d'argent en réserve. Et donc, on peut s'en sortir. Donc, affaire de l'écho, c'est une escroquerie intellectuelle, économique et monétaire. Mais je pense que ça va échouer parce que le Nigeria n'accepterait pas rentrer dans une monnaie, bien adopter une monnaie qui aura pour système la flexibilité monétaire. Voilà quoi. Mais pourquoi c'est si difficile de sortir du franc CFA? Ah non, c'est pas difficile. C'est ce qui nous gouverne. C'est pas... Regardez, moi, j'avais fait une analyse. En projetant des idées sur le Mali. Mais pour le moment, les Maliens sont préoccupés par l'aspect sécuritaire de leur pays. Mais je pense aussi qu'ils réfléchissent sur la fin du franc CFA. Parce que s'ils ne quittent pas le franc CFA, on va leur imposer ce qu'on appelle l'asphyxie de type monétaire, c'est-à-dire que l'approvisionnement en biais ne se fera pas. Aujourd'hui, on les prive déjà de leurs anciens revenus en devises qu'ils avaient auprès de la BCAO. On les prive de ça. Mais ça, ce n'est pas un grand problème parce que les Maliens aujourd'hui vendent directement, ils reçoivent les revenus en devises directement chez eux. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont pu acheter des armes. Ouais. Donc, mais on peut les priver de liquidité CFA, de six monétaires CFA. Donc, ils sont obligés, à court et à moyen terme, ils sont obligés pour organiser la vie économique nationale, ils sont obligés de créer un autre six monétaire. Maintenant, encore une fois, c'est nos dirigeants qui ne souhaitent pas la fin du franc CFA. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je dis à la jeunesse. Aller parler à la jeunesse militaire. Si un chef d'État, après l'offension, refuse d'abandonner le franc CFA, c'est une raison pour qu'il soit déposé. C'est vrai. Pas qu'il veut faire troisième mandat, non. Même s'il est élu à 100%, mais il dit qu'il ne veut pas abandonner le franc CFA, c'est qu'il ne sait pas. Comme il ne sait pas, on n'a qu'à le déposer. Nous autres, nous savons comment on peut abandonner une monnaie et créer une autre six monétaire. C'est rien du tout. Ceux qui viendront vous raconter que c'est compliqué, que nous n'avons pas des économies fortes, ils ne savent rien. Je vous le dis honnêtement, ils ne savent, même s'ils sont des économistes connus, c'est qu'ils ne sont, ils ne savent rien, ils sont des menteurs. Créer sa monnaie, c'est rien du tout. Hein? Aux États-Unis, ce qui fait la force de la monnaie américaine, c'est, on a écrit sur ça que ça, ce papier-là, c'est ça qui sert de moyen d'échange, c'est tout, c'est ça qui fait la force de ça. Et puis en plus de ça, il y a leur armée, hein?
qui leur permet d'imposer le dollar comme la monnaie internationale du commerce, la monnaie du commerce international pour piller les économies mondiales. Au fond, la monnaie, c'est rien, c'est une question de confiance. On peut avoir sa monnaie, c'est une question de volonté politique. Oui, OK. Sur le plan politique, vous avez préconisé comme un système un peu décentralisé. Mais si on prend le cas du Bénin, on vient d'essayer, on va dire, pendant 15 ans, un système de décentralisation, mais on a vu que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Et puis, le régime en place est en train de retourner vers un système beaucoup plus centralisé où on arrache un à un les pouvoirs des communes. Où est-ce qu'on va trouver le juste milieu pour pouvoir refonder le système que vous préconisez? Mais ça aussi, c'est faux. On n'a pas fait la décentralisation au Bénin, par exemple. Encore une fois, allez lire la constitution du Bénin, comparer la constitution suisse. Si vous voulez un pouvoir vraiment décentralisé, alors misez-vous sur ce que font les Suisses, qui est d'origine africaine, c'est tout. En Afrique, c'est la communauté des communautés. Prenez l'Empire mandingue. Prenez aujourd'hui la position géographique de l'Empire mandingue. Regardez toutes ces communautés qui sont là. Il y a les malinqués, les peuls, il y en a tellement. Mais ils ont vécu chacun sur son territoire. Ils ont vécu en faisant la communauté des communautés. C'était la vraie décentralisation. Le système français qu'on nous impose ne permet pas la décentralisation. Ce n'est pas moi, Yannick, qui le dit, ce sont des faits. La preuve, c'est que vous-même, vous vous rappelez que ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on veut retourner au jacobinisme, la centralisation du pouvoir pur et dur. Non, seconde. On n'a qu'à s'appuyer sur ce que les Suisses nous ont pris et qui marchent chez eux. Sachez, nous ont pris. Ils ne sont pas en train de singer. On va seulement retourner au point ce qui nous appartient. Et puis, ça va marcher. On connaît nos communautés. On connaît leur emplacement géographique. Maintenant, il faut faire de sorte que ces communautés s'organisent. Et pour que ça marche, il faut la péréquation financière. Il faut mettre de l'argent à leur disposition. Donc, il faut créer la monnaie à partir de rien. Et il faut donc financer ces communautés-là. Il faut leur donner l'argent pour que ces communautés-là puissent travailler. Il y a une chose qui est vraie aussi, la corruption. Comment on combat la corruption? Il y a des moyens qui ont fait leur succès ailleurs. La Corée du Sud a institué ce qu'on appelle la délation rémunérée. C'est-à-dire que vous constatez que quelqu'un est corrompu, corrupteur, il construit des grandes maisons, on se demande mais quel travail lui faire pour avoir de tel argent. Donc, on questionne ça. Où avez-vous trouvé l'argent? Tu dis, par exemple, j'ai fait du commerce. Ah, OK, est-ce que tu as payé tes taxes? Donc, si tu n'as pas payé, ça veut dire que tu as triché l'État. Donc, celui qui va permettre à l'État de retrouver ce fautif, on lui rémunère un pourcentage de ce que l'État va retrouver. Ça a permis à la Corée du Sud de sortir de la corruption. Quand Buhari est arrivé au Nigeria, vous avez souvent entendu parler du Nigeria comme étant l'un des pays les plus corrompus. Aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment, parce que c'est ce qu'il a institué. Il y a des outils. Il y a des outils pour contrer, par exemple, la corruption et empêcher que les responsables locaux détournent l'argent des communautés pour faire autre chose. Donc, voilà. Et puis, avec les grands projets, la construction des écoles, des routes, des ponts, tout ça là, dans nos communautés, ça va faire que les gens vont travailler et les choses iront de l'avant. Revenons au cas malien. On a vu que la CEDEAO a infligé, j'allais dire, des sanctions au gouvernement de transition. On a vu aussi ces dernières années que ces structures régionales sont un peu boudées sur le continent. D'où est partie cette crise de confiance entre les populations africaines et les structures comme la CEDEAO et l'Union africaine? Oui, la CEDEAO, c'est une organisation criminelle, ça il faut le dire. Il y a eu le cas du Togo en 2005. En 2005, le cas du Togo, la CEDEAO n'a rien fait. La CEDEAO a soutenu et accepté que l'enfant des Yadima se maintienne en tuyant 400-500 personnes. Ça, ce sont les chiffres des Nations Unies. Parce que là, je rappelle que le crime est indépendant du nombre. Qu'une personne soit tuée, c'est criminel, que 100 personnes soient tuées, c'est criminel. Donc, ce gouvernement du Togo, qui est toujours en place, s'est appuyé sur la CEDEAO pour se maintenir contre la volonté populaire. Donc, déjà, avec ça, surtout 2005, ça a frappé l'esprit des Africains. Et je rappelle que c'était l'ancien président malien, Alpha Omar Konaré, qui était à la tête de l'Union africaine dans le temps. Il a dénoncé ça avec force. Il n'était pas d'accord du tout. D'ailleurs, vous avez remarqué, on l'a marginalisé à la suite. On l'a marginalisé. Donc, depuis, avec surtout la sortie de l'ancien président Alpha Omar Konaré, les gens ont souvient quoi sur la question. Et c'était le début de
de ce qui arrive avec la CEDEAO, c'est-à-dire la CEDEAO qui est discréditée, quoi. Puis après, il y a eu les événements avec Gbagbo, la position de la CEDEAO n'était pas claire. Il y a eu les événements avec Condé, tout récemment. Tout ça, voyez-vous, la CEDEAO n'est pas crédible. C'est une organisation malheureusement criminelle, il faut le dire. C'est une organisation malheureusement criminelle de nos dirigeants qui sont des ordres coloniaux. Hein. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent l'ordre colonial. Et la France ne se cache pas de dire, voilà, la CEDEAO va censurer le Mali. Parce qu'elle est sûre que les responsables de la CEDEAO vont faire sa volonté. Pareil pour l'Union africaine. Est-ce que, ouais, prenons le cas de l'Union africaine aujourd'hui, qui est le président en exercice? C'est le président sénégalais. Et qui est le président sénégalais? C'est un ordre colonial, hein? Un homme qui veut l'ordre colonial, hein? Enfin, l'ordre colonial français en Afrique. Est-ce que, ouais, qui est le président de la commission de l'Union africaine? C'est le Tchadien, j'ai oublié son nom. Qui est-il? Je crois que c'est un ancien ministre des Affaires étrangères de l'Italie. Il n'a pas condamné le coup d'État au Tchad. Quand la France vient consacrer le coup d'État au Tchad, personne n'a condamné. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, prenons le cas de la CEDEAO. Qui est le président de la commission? C'est un Ivoirien, un militant du parti de Russell Montara. Comment voulez-vous que cet homme soit crédible? Pas. Donc, ce sont des gens qui sont ouvertement au service du colonisateur, surtout au service de la France, et par ricochet au service de l'Union européenne, moindre au service des Américains, parce que les Américains, en fait, je ne les défends pas, mais il me semble que ça ne les intéresse pas trop, quoi. De plus en plus de voix s'élèvent donc pour pouvoir demander une restructuration de la CEDEAO. Dans quel sens cette restructuration doit aller? On parle de la CEDEAO des peuples. Comment il faut faire pour revitaliser un peu cet organisme? On va devoir retrouver à ce que j'ai toujours préconisé, le point de départ, c'est-à-dire que nos populations vont aller dire à nos concitoyens soldats de déposer le dirigeant actuel. Je rappelle que la CEDEAO a été créée par des militaires, d'ailleurs. Ce sont les militaires qui l'ont créée. Et aujourd'hui, on a envoyé des civils au service de l'impérialisme, détruit ça. Donc, il faut que le peuple se réveille et qu'on retourne encore voir nos militaires en leur disant, nous vous confions une nouvelle mission, c'est de déposer ces civils corrompus, hein, parce que quasiment ils sont tous corrompus, déposez-les. Et voilà, le peuple va assumer cette fois-ci. Voilà. C'est tout, c'est le point de départ. Une fois qu'on parviendra à obtenir de nos militaires d'écarter les corrompus, et un nouveau départ. Toujours dans le cas malien, on a vu aussi se développer sur le terrain comme un sentiment anti-français où on demande à l'armée française de quitter le Mali. Et au-delà du Mali, même au Burkina, on a quand même actuellement un sentiment vraiment anti-français. Selon vous, qu'est-ce qu'on reproche réellement aux Français qui empêche vraiment l'émergence de l'Afrique? Mais vous savez, il y a quand même, c'est intéressant cette question. Je suis tellement l'actualité politique française. Je connais les responsables politiques français qui ne veulent pas entendre parler de l'Allemagne, y compris Jean-Luc Mélenchon, qui se dit universaliste, mais il se méfie des Allemands. Parce qu'il dit que les Allemands les ont régulièrement envahis. Les Allemands les ont régulièrement envahis. Donc, il est méfiant. Il est méfiant. Vous comprenez? Ok, nous, ce n'est pas qu'ils nous ont régulièrement envahis. Ils nous ont réduits en esclavage, ils nous ont colonisés, ils nous ont imposé leur culture. Comment voulez-vous qu'on se réveille et puis on va dire, ah, mais arrêtez, ces gens-là sont tellement bons, il faut les aimer. On ne va pas. Écoutez, je ne sais pas s'il faut employer le mot haïr, mais s'il faut haïr le mal, on va haïr le mal. Mais ce n'est pas l'objet. Nous voulons être libres, nous voulons être nous-mêmes. Pourquoi la France veut s'immiscer dans nos affaires? Au nom de quoi? Au nom de quoi la France veut s'immiscer dans nos affaires? Au nom de quel principe? Tu ne comprends pas. Il n'y a pas de principe idéologique, philosophique qui laisse la France de s'immiscer dans nos affaires. Que la France aille s'occuper. Il y a des pauvres en France. Hier, je suivais la France 2, le journal de France, le journal de tête de France 2, où on présentait quelques jeunes de 18 ans qui étaient au foyer, qui, à l'âge de 18 ans, se sont retrouvés tout seuls dans les rues. Que la France aille s'occuper de ça. Il y a des millions de sans-abri en France. Que la France aille s'occuper de ça. Il y a des gens qui manquent de quoi manger. Hein? Et des gens qui vont au niveau
des associations pour demander de quoi manger, que la France aille s'occuper de ça, que la France veut s'occuper de nos affaires. Mais c'est quoi cette histoire? C'est étrange quand même. Donc, rien que ça, dans l'affaire de nous, des gens méfiants, ils sont méfiants. Je ne pense pas que la France a quelques intérêts à nous aider. Il n'y en a pas, quoi. Vous avez cité un peu le cas du Togo tout à l'heure en parlant de, je crois, c'est 2015, près de 400 morts. Si on prend le Bénin en 2019-2021, dans le cadre des élections contestées, il y a eu des morts. On prend les troisièmes mandats et au niveau en Guinée comme en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts aussi. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas de cible en s'attaquant à la France? Parce que ceux qui ont tué les compatriotes africains, ce n'étaient pas les Français, mais c'est des Africains qui se sont tirer dessus. Est-ce qu'on ne se trompe pas de cible en prenant la France comme la cause principale de nos malheurs? Non, non, non. Écoutez, moi, je ne prends pas la France comme la cause principale de nos malheurs. Non, non, non. Moi, je ne défends pas ça. Moi, je suis partisan de ce qu'il faut. Il faut faire partie des dirigeants, hein, parce que c'est eux qui sont là, que la France est là. Voilà. Donc, s'ils ne sont pas là, la France ne serait pas là. Sauf que je constate aussi un double langage, c'est-à-dire un double discours du côté des Français qui essaient de nous faire croire qu'ils sont une nation des droits de l'homme, alors que la France nous impose, par exemple, le français pas. C'est la France qui nous impose ça d'une manière ou d'une autre. Voilà. Pourquoi la France ne se retire pas tout simplement du français pas? Pourquoi on dit que la Banque centrale est indépendante, voilà, qu'elle est inféodée au ministre de l'économie et des finances françaises? Pourquoi? Donc, quelque part, la France fait du tort. Voilà ce que je propose pour la France. Alors, c'est-à-dire, quand je parle de la France, comme étant aussi ce qui nous emmerde, je dis la France, il faut la faire sortir de nos affaires. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une rupture totale avec la France. Il y a à moins de 200 nations dans le monde. Hein. Si on ne travaille pas avec les Français, il y a encore 199 avec les nations avec lesquelles on peut faire des choses ensemble. La France n'est pas indispensable. Encore une fois, et dans le cas du Togo, du Bénin, il y a eu tous ces morts. Oui, c'est vrai, ce sont nos propres concitoyens qui ont tiré sur d'autres concitoyens en recevant l'ordre d'un des chefs, c'est-à-dire en recevant l'ordre de le chef d'État. Donc, encore une fois, je l'ai dit, cette situation s'est produite aussi parce que le peuple n'a pas été informé. Le peuple ne savait pas que dans ces conditions, quand le chef de l'État donne l'ordre à l'armée de rétablir l'ordre, c'est-à-dire de régler un problème politique par les moyens sécuritaires, il faut le contrôler. Il faut plutôt sortir et dire aux militaires, nous vous soutenons de les déposer. Une fois qu'on commencera pas à dire ça, le chef d'État, psychologiquement déjà, il est abattu parce qu'il est conscient qu'il n'est pas mis de sa propre sécurité. Il est conscient aussi que la confiance est invisible et que ceux qui sont autour de lui, qui lui assurent la sécurité, si effectivement la voix du peuple monte et que ce que le peuple dit devient clameur, que l'armée n'a qu'à prendre sa place, n'importe qui, en souvent commençant pas. Le chef de la garde présidentielle sera le premier intéressé à le déposer facilement comme ça, puisque le souverain peuple qui est dans la rue est en train de demander à ce que voilà, lui, le chef de l'État soit déposé. Il sera déposé. Donc, c'est vrai, la France, ce n'est pas elle qui vient tuer Chipou, ça je l'ai aussi toujours rappelé, sauf que la France aussi a sa part de responsabilité dans nos malheurs. Et nous demandons ce que, voilà, elle nous laisse tranquille. Mais entre-temps, nous allons continuer par demander à nos concitoyens soldats de déposer nos dirigeants pour que, voilà, on puisse finir avec une ingérence de la France dans nos affaires. Donc, la place que laisse actuellement la France, il y a les Russes qui sont en train de s'infiltrer progressivement dedans. Est-ce que vous pensez que l'Afrique irait mieux avec la Russie qu'avec la France? Écoutez, à ma connaissance, je ne connais pas la prédation de la Russie sur le continent. Les Russes ne sont jamais venus chez nous nous coloniser. Et puis, depuis les années 60, il y a eu beaucoup d'Africains qui sont partis étudier en Russie. Ils ne sont pas venus avec l'idéologie russe pour venir nous imposer, enfin, nous transformer, faire de nous des colonies russes. En revanche, je constate que ceux qui vont étudier en France, par exemple, je ne dis pas que tous, hein, ceux qui vont étudier en France, ils reviennent toujours en Afrique avec la volonté ferme de nous imposer cette culture française et cette idéologie ordo-coloniale française. Et par conséquent, voilà, la France a une volonté de puissance de nous maintenir en servitude, ce qui n'est pas le cas avec les Russes. Je n'ai pas vu ça chez les Russes. Si demain les Russes venaient
va faire de vous le reste-là, mais on dira non. Donc, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Le temps passe vite. Je voudrais vous laisser quelques minutes pour votre mot de fin. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que le point de départ. Nous ne pouvons pas libérer l'Afrique en laissant nos concitoyens soldats à la disposition de notre chef d'État. Nous ne pouvons jamais libérer l'Afrique. Et ce qui se passe aujourd'hui au Mali, en Guinée, en Burkina, échouerait s'il n'y a pas des mesures économiques fortes, si au Mali, il n'y a pas l'abandon du franc CFA, et avec un système monétaire, moi je dis tout simplement aux dirigeants africains, adopter une monnaie et aller copier le système monétaire libyen sous Mouammar Kadhafi. Si vous ne comprenez rien de ça, vous ne comprenez pas grand-chose de ça, copiez le système monétaire marocain. Les Marocains, même, ils ont copié le système monétaire libyen. Il faut copier le système monétaire marocain tout en interdisant ce que le Maroc est en train de faire aujourd'hui, la flexibilité monétaire sur son propre marché. C'est vrai que c'est sur son propre marché, mais moi, je suis contre, pour la simple raison que quand on fait ça, les gens ne veulent pas investir dans l'économie réelle. Donc, il faudrait absolument que les pays africains, notamment les trois pays qui viennent de commencer la libération, le Mali, la Guinée, le Burkina, pour les deux autres, qu'ils abandonnent le franc CFA, qu'ils adoptent le système monétaire libyen, qu'ils adoptent le modèle économique libyen sous Mouammar Kadhafi. Je rappelle que la Libye, comparée à la Guinée, comparée au Burkina, comparée au Mali, c'est un pays pauvre, parce que peu peuplé d'ailleurs, et il n'a même pas de fleuve. Hein. Donc, la Libye n'avait que du pétrole, alors que les autres pays, ils ont des populations, ils ont un pays beaucoup plus favorable, ils ont plus de potentialité. Donc, en adoptant le système monétaire et le modèle économique libyen sous Mouammar Kadhafi, ces pays vont se développer plus vite que la Libye. Donc, encore une fois, aux populations africaines, à la jeunesse civile, de récupérer la jeunesse militaire pour mieux être qui elle est. Merci beaucoup. Nous étions avec M. Yemi Dessouza. Nous avons vu ensemble pourquoi la résurgence des coups d'État en Afrique. Et nous a fait aussi quelques propositions par rapport au système économique et politique qu'on pourrait mettre en place en Afrique pour que le continent aille mieux ou qu'on ait un peu plus de stabilité. Merci aussi à tous les internautes qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Donc, on se donne rendez-vous le dimanche prochain. Merci aussi. Merci, Yvaï.